Là, on est sur le dimanche ménage. Du coup, je leur nettoie tous les tapis de bain. J'avais fait les tâches du papa du haut. Je leur ai enlevé plein de jouets qu'ils n'utilisent plus trop. La baignoire. J'avais acheté ça à Ikea parce que j'en ai ici. Il va falloir que j'en mette par là. Et là, je suis en train de tout nettoyer. Voilà, petit ménage des pièces du haut pour les garçons. Là, je leur nettoie la baignoire. Après, j'ai passé l'aspi, laver un petit peu. Jovan, j'ai essayé de lui construire son circuit VTEC hier. Mais on en a un deuxième dans l'autre maison, je vais le récupérer, je vais essayer d'associer les deux, je m'étais arrêtée. Là, pour ceux qui ne connaissent pas, donc on est dans la chambre de Jovan. Donc le lit cabane, il vient de chez Verbaudet, il avait les pieds plus hauts, moi je les ai fait couper pour que Jovan y ait accès. Là aussi les rangements, donc ça vient de chez Verbaudet, j'ai pris en plus les petits paniers. Sur le côté ici, tu as les emplacements pour les livres. Voilà. La petite table comme ça pour assortir avec les petits deux tabourets, je l'avais prise chez Ikea, et moi je lui ai mis un petit matelas. Donc là j'avais pris des coussins, vous voyez, il faut que je range aussi un petit peu. J'aime bien laisser des choses quand ils sont pas là, un petit coin sofa. Et là ça je le laisse là parce que à chaque fois que je le mets au lit, j'en raconte les histoires, il veut que je rentre avec lui dans le lit. Là, t'as une petite ouverture. D'ailleurs Jovan devient coquin en même temps, bon, je peux pas lui en vouloir, il fait comme son frère. Là t'as leur dressing. Enfin là c'est Jovan, mais j'ai aussi les vêtements à Gianni. J'ai tout, faut que je range un petit peu en fait, c'est devenu un petit peu le boxon, ils ont des jeux, tout est trié, tout est rangé. Voilà, je vais m'occuper après de leur chambre, donc là, plutôt que de mettre des portes, j'ai fait mettre des rideaux pour le dressing. Et chez Gianni, on est là. D'ailleurs, c'est Footlocker, vous m'aviez demandé, tout le monde m'a demandé la référence de ces petites baskets, des Pumas, une pour Gianni, une pour Jovan, c'est chez Footlocker. Voilà, j'ai trouvé ça. Donc là, on est dans la chambre de Gianni. Voilà, je vous présente les chambres, hein, ceux qui ne connaissent pas. Donc, on a le lit tiroir de chez Verbaudet. Donc, nous, on a rangé des livres. Qu'est-ce qu'il y a tout à... Là, j'ai le tapis, les petits coins, pizza, les jouets. Gianni, il adore enlever un tiroir. Et en fait, derrière, ça lui fait une petite cabane. Il peut partir se cacher derrière et sous le lit. Donc, autant vous dire que ça l'amuse énormément. Donc, du coup, il a le lit comme ça. Là aussi, les petits rangements avec les casiers, ça vient de chez Verbaudet aussi. Dans chaque chose, il a les petits joujoux. Là, en plus, il a la caisse. Ça, c'est les petits deux. T'as deux lumières blanches, deux intensités, deux lumières jaunes. Alors, celle-ci, attends, faut trop que je me souvienne. Je l'avais pris chez qui? J'aime bien le fait qu'il y ait quatre intensités. C'était... J'hésite entre, je crois que je dirais But. Ouais, non, c'est pas d'artiste, ça doit être But. But, je crois. Donc voilà, mais je l'avais prise en magasin, je l'avais pas prise en lit. Ça, c'est s'il reçoit un copain, une copine, donc ça s'ouvre. On peut faire dormir le copain, la copine, les cousines. Et là, ça lui sert aussi de monte-pied. C'est surtout pour Jovan, parce que Gianni met son pied dans le petit trou. Sa batterie qu'il adore. Bon, il aime bien les pandas, Gianni, vous aurez compris. C'est son petit doudou... Ikea pour faire dodo. Et du coup, là, j'ai trouvé ça chez B&M hier. Donc, c'est une petite veilleuse. Tu l'allumes, tu peux choisir bleu, blanc, rose, vert. Puis voilà, tiens, toute la nuit. Parce que Gianni dort avec des veilleuses, il n'aime pas dormir dans le noir. T'appuies sur la tête, je trouvais ça trop cool. Là, j'ai pris chez B&M hier. Donc là, il a son circuit Hot Wheels. Celui-ci, il est vraiment trop bien. D'ailleurs, il avait donné... il est gentil quand même, Gianni. Il avait donné son plus petit circuit à Jovan. Celui-ci est trop bien. Le dinosaure, il ouvre la bouche, il monte, il descend. Je sais qu'il s'éclate bien. Ça, c'était à moi dans mon ancienne maison. Je l'avais récupéré un petit coffre. Comme ça, ça lui fait coffre à jouer. Et ici, pareil, on est sur un dressing à Gianni. Sachant qu'il a aussi un peu des affaires de l'autre côté. Ça va plus alors que je range la chambre de Jovan. Là, j'ai l'impression. Tac. Et du coup, pour vous montrer le petit circuit du coup qui était à Gianni, qu'il a donné à son frère Jovan, qui est pas mal aussi avec le requin. Hop. Donc, c'est celui-ci. Il est pas mal lui aussi. C'était pas compliqué, mais fier de moi. J'en ai mis un plus haut, c'est fait exprès. Bon, au moins, ils ont chacun leur côté. Parce que si Gianni a ça, Jovan, il lui faut. S'il a une brosse à dents, il lui faut une brosse à dents. S'il a un lézard, il lui faut un lézard. Donc voilà, on est dans la période, je veux tout comme mon frère. Donc pareil, il a mille pattes, il a ça, il a sa brosse à dents. D'ailleurs ça, on va lui mettre ici. Si Jovan a une tortue,
Jeanne, il doit avoir une tortue. Hop. D'ailleurs, je leur ai acheté ça, un BM, j'ai pris en double. Elle est où sa tortue? Je vérifie, ah ouais. Sinon, ça va être la bagarre. Ça, c'est leur nouveau truc, en fait, quand ça va aller dans l'eau. Les petits requins comme ça. Pareil, j'ai pris chez BM, Baby Shark. T'en as qui faisaient la musique aussi. Donc voilà, chacun leur petite nouveauté. Ça, c'est quoi? Hop. Voilà, chacun petit coin équitable. Parfait. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que le week-end s'est bien passé, vos journées dimanche aussi. Le début d'une nouvelle semaine demain, moi j'attends les garçons avec impatience. Je vous cache pas que cette semaine-là, ils m'ont beaucoup, beaucoup manqué. Des fois plus, des fois moins. Cette semaine, bon, c'était beaucoup. Voilà, mais bon, faut qu'ils passent du temps avec les deux parents. Je voulais vous parler là d'une marque, donc il s'appelle Rita Cosmétique. Donc cette marque, elle est née en ce début d'année, donc c'est une inspiration de leur enfance, un petit peu on va dire à l'époque où les mères et nos grand-mères nous soignaient par les plantes. Et en fait, ils avaient envie de retransmettre ça, que ça vienne de leur génération à la nôtre. Donc là, le packaging, déjà, moi, je le trouve très joli. On retourne ensemble dans nos souvenirs d'enfance. Je vous présente un petit peu les produits, si vous ne les connaissez pas. Donc là, tu as le shampoing et le soin capillaire. Le shampoing, une utilisation jusqu'à 2 fois par semaine pour chouchouter vos cheveux, les rendre jolis, réputés pour les cheveux abîmés, donc redonner de la brillance à vos cheveux. Et lui, le soin capillaire, donc vous pouvez voir là, ça sent bon, c'est dommage qu'on n'ait pas les odeurs. Donc là, pour envelopper votre chevelure, c'est vraiment un soin intense pour nourrir, régénérer et renforcer le cheveu, pour retrouver éclat et brillance sur votre cheveu. Celui-ci, ça peut devenir mon petit copain. Donc là, on est sur le sérum de nuit, une utilisation tous les soirs, c'est pour hydrater en profondeur votre épiderme, donc la peau. Et c'est parfait pour redonner de l'éclat à la peau. Surtout que le soir, la nuit, c'est là où la peau se régénère assez bien. Hop. Donc celui-ci, il est top. En plus, j'ai pas précisé, mais ce sont des contenants en verre pour réduction des emballages qui sont recyclés et recyclables. Voilà, c'est fabriqué en France. Ça aussi, ce sont des produits français qui sont faits dans la Drôme provençale. Là, j'arrive sur le gommage, donc qui sent aussi bon. Une utilisation 2 fois par semaine. Donc voilà, on est sur nettoyage du grain de peau pour avoir une peau nette, réhydratée, illuminée, protégée. Donc à l'intérieur, tu as des grains et l'odeur est trop délicieuse, douce. Moi, j'aime beaucoup l'odeur sur le gommage. D'ailleurs, ça permet aussi à la peau d'enlever tout ce qui est peau morte et d'impureté, et à la fois de mieux intégrer, de vraiment valoriser l'effet de la crème que tu vas venir mettre derrière un gommage. Car quand tu enlèves toutes les petites impuretés, ensuite, ton soin est vraiment bien absorbé. Et là, alors vraiment pareil, fleur d'eau et bergamote. Le gel lavant, donc je ne sais pas si vous voyez, il a une texture vachement originale et il sent bon. C'est vrai, hein, je suis assez d'accord, on peut retrouver des odeurs qui peuvent me rappeler un petit peu ma grand-mère, ma maman. Elles sont des odeurs assez, comment je pourrais qualifier? Moi, à mon sens, parce qu'on aura tous des avis différents, mais des odeurs de la nature, fraîches, douces, qui sentent bon. Voilà, ça fait pas produit comme des gels douches où il y a écrit framboise, mais tu sais, c'est de la framboise un petit peu chimique. Donc là, le gel lavant, donc du coup tous les produits, donc tout simplement celui-ci, c'est pour enlever la pollution qui se dépose quotidiennement. Ça tire pas, ne pique pas la peau. Voilà, vous pouvez l'utiliser le matin, le soir, le petit gel lavant de chez Rita Cosmétique, cette vraiment nouvelle marque française qui ne demande qu'à arriver à la Je vais vous montrer la texture du gommage. D'ailleurs, le gommage et le gel lavant sont vraiment des produits phares. Moi, j'ai pas du tout de filtre. Hein. Je voulais que vous voyiez, si j'arrive à avoir une netteté. Au niveau du gommage, tu vois, on sent les petits grains. J'arrive pas à savoir si je suis nette là, je pense que oui. Donc là, c'est vraiment bien de temps en temps, 1 à 2 fois par semaine, le petit gommage sur toute ta peau. Pour vraiment bien. Après que notre peau assimile les crèmes, même sur les lèvres, les petits soins qu'on va venir lui faire derrière.
Donc là, on est sur le sérum de nuit. Après, j'ai commencé à m'en mettre un. Moi, je suis douchée. Ensuite, ça va être le dodo. Donc, je vais le mettre maintenant. Comme ça, ce sera fait. Une fois que les garçons ils vont rentrer, moi, je vais m'occuper d'eux. Donc là, j'ai absolument pas de filtre. Ah, vous voyez ma peau telle quelle. J'ai testé un petit peu leur routine, là, leur son beauté. Vraiment cool. Moi, j'aime bien le principe, le fait déjà que ce soit une marque française, des produits naturels, bio, vegan. Donc, du coup, assez bien pour la peau au final. Ça fait du bien. En tout cas, j'aime bien le ressenti, les sensations, les odeurs. Me plaisent énormément. Je vais vous montrer aussi le gel lavant si c'est une texture que vous souhaitez voir. D'ailleurs, là, vous voyez, c'est vraiment comme un gel un petit peu. Gel lavant, fleur d'eau, bergamote. Ils sont hyper bons. Je l'avais déjà utilisé une fois. Derrière, même pour mon visage. Donc, tu vois, je ne sais pas si on va bien voir. Ça ressemble vraiment à un petit gel. Et ensuite, avec l'eau. Voilà. T'as la texture du gel lavant qui arrive. Et il sent bon, tu sens bien la bergamote, j'aime beaucoup cette odeur. Ouais, si vous recherchez en tout cas des produits naturels pour votre quotidien, bon pour la peau, bio, vegan, et ben c'est vraiment une marque qui pourrait vous correspondre. Donc Rita Cosmétique, une nouvelle marque française dont je viens de vous parler. Et du coup, moins 20% avec mon code RITA20, je me suis les mains, valable sur toute la boutique en ligne Rita Cosmétique. Je vais vous mettre leur Instagram. Au niveau de la peau, là, j'aime trop le ressenti. Donc là, je vous en ai pas parlé, mais c'est vrai qu'il y a d'autres produits. Hein. Vous avez des huiles sublimantes, il y a d'autres parfums, d'autres odeurs. Donc là, j'ai ajouté le gel d'eau, fleur d'eau bergamote. Et moi, j'ai le sérum de nuit, mais là, je vous ai ajouté le sérum de jour. Dès 50 euros, si tu atteins 50 euros, si c'est en dessous, bah, tu as mon code RITA20 qui est valable. Au-dessus de 50 euros, pareil. Mais à partir de 50 euros, du coup, là, tu as un parfum solide qui t'est offert. Moi, je voulais vous montrer l'application de mon code RITA20. Appliquez le code promo, on était à 61,80 €. Code promo appliqué avec succès. Et voilà, donc du coup, tu économises 12,36 €. Ça te fait un total de 55,34 €. Et du coup, au-dessus de 50 €, un parfum solide qui t'est offert en cadeau. Et fais voir ton bobo, ça va mieux? On peut enlever les strips. C'est Zakaria qui est venue. Sophia qui t'a enlevé les points. Du coup, finalement. On les ouvre? Donne, je le fais. Ça te fait mal. Tiens, la maman. Regardez. Oh, vous m'avez manqué. Yes. Je t'aide. Et c'est pour qui, bébé? Les titis. C'est pour qui? Ouais. C'est Mickey. C'est pour les bébés, titi. Il va falloir qu'on arrête cet été. Qu'est-ce que t'en penses? Elle est jolie? Maman, merci, maman. J'ai pas pu lui demander toujours ça. Merci. Oh, je t'en prie, mon homme.